Bonjour, donc on vient de faire l'état des lieux d'entrée, ce qui veut dire qu'on va pouvoir entrer dans le hall et commencer le montage. Donc je vous emmène voir un peu ce que c'est que le hall quand on rentre dedans, sachant qu'on est déjà en avance puisque l'électricité est sortie et les ponts suspendus sont déjà en place. Mais regardez un petit peu le hall, ce que ça donne. Bonjour, dans quelques heures, dans quelques dizaines d'heures, nous allons ouvrir la 17e édition du Salon de la Plongée. Je pense qu'il est important de vous rappeler quelques informations pratiques pour vous aider à faire une visite la plus confortable possible. Au niveau accès, métro, tramway, parking, nous sommes en plein Paris, dans le 15e arrondissement, porte de Versailles. Tout est fait pour que l'accès soit facilité. Je vous rappelle les jours d'ouverture. Vendredi, 10h-21h, c'est une nocturne. Samedi, 10h-19h, dimanche, 10h-19h, et lundi, c'est une journée un petit peu spéciale, nous fermons les portes à 15h. Soit vous avez acheté votre billet par correspondance, par des sites comme la Fnac, Billetel, avec qui nous travaillons, soit vous achetez votre billet à l'entrée du salon, bien entendu, vous avez des caisses pour ça. Surtout, n'achetez pas votre billet à l'extérieur du salon. Ce sont des vendeurs à la sauvette qui vendent des billets qui sont souvent faux. Tous les billets sont tracés et vous serez refoulés à l'entrée. À l'entrée, vous avez un vestiaire. Ce vestiaire vous permet d'y déposer sac, sac à dos, valise et manteau. Autre petite chose, quand vous allez arriver, on vous remet un catalogue. Dans ce catalogue, j'en ai parlé sur les dernières vidéos pendant quelques minutes, vous avez l'ensemble des animations qui vous sont présentées. Et puis, il y a aussi la liste de tous les exposants avec un plan, avec des numéros de stand qui vont vous permettre de vous repérer. Et puis, il y a trois espaces de restauration. Deux restaurants et un bar de restauration rapide. Cela fait 17 ans que j'organise ce salon et j'ai toujours plaisir à recevoir les remarques des visiteurs. Donc n'hésitez pas, vous avez les hôtesses, vous avez l'accueil, les agents de sécurité, mais également l'accueil du commissariat général. Donc, vous avez quelque chose à dire, de positif, mais même de négatif, sincèrement, j'en tiendrai compte. Alors, j'espère vous retrouver dans les allées du salon. Vous avez même le droit de me dire bonjour, ça me fera très plaisir. Et demain, on se retrouve, mais dans un autre contexte. À demain !